Bueno, d'abord, si on parlait de maladie, il y en a des choses à dire. La maladie, ce que le mal a dit. Qu'est-ce que le mal a dit? Qu'est-ce que la maladie? Eh bien, c'est un message. Il faut comprendre ce que le mal veut dire. Et c'est là tout le problème. À savoir aussi, en espagnol, maladie, c'est enfermé. On est enfermé quand on est malade. Alors, voilà, pourquoi peut-être rester à la maison, tout le monde chez soi, rester enfermé, soyez malade. Et on peut rendre malade par des mots. Les mots peuvent causer des maux. Tout s'explique avec les mots. Et les mots peuvent disparaître grâce à des mots, justement, à des mots bien placés. Et voilà. Est-ce que les médias étaient les majeurs, la plus grande propagation du virus, ne savaient pas tout ça, la force des mots qui cause des mots. En anglais, il y a trois sortes de maladies. Je me souviens plus des trois: illness, sickness. On peut être malade de trois formes différentes. Et je ne sais plus bien le. Chacune. Il y en a une qui est totalement psychologique. L'autre est réellement physique. Et l'autre, je crois, touche la société en général. Cette société malade. Et bon. On va se quitter sur la phrase fameuse de Krishnamurti, que il n'est pas signe d'être en bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. Voilà ce que je vous en dis de la maladie, que le mal a dit, des mots. Allez, ciao.